sonne à l'aise, j'décolle. Faut que je dépose le sang à l'école. Je leur fais du sale, 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 sale. Ça pleut des balles, mais moi je pédale. Dalle, 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 dalle. Et si tu me cherches, coup de Pepsi. Dalle, 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 dalle. Mon petit du chic te défourra. Ya, 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 ya. Bienvenue à tous sur la chaîne Bouddha Class TV. C'est PDG. Donc aujourd'hui, grand retour sur Elden Ring. On reprend la série des tutos. Donc aujourd'hui, je vais vous dire comment obtenir cette fabuleuse armure que vous avez vue, en début de vidéo, ainsi que l'épée courbée qui va avec de l'armure. Cette fabuleuse armure de Zamor. Et avec l'épée courbée de Zamor. Donc je vais vous dire tout de suite comment l'obtenir. Et bien sûr, cette armure va vous servir pour un nouveau tuto qui va sortir, une méthode, la meilleure méthode avec le but de saignement qui sortira très bientôt sur la chaîne. Tout d'abord, on va aller récupérer cette armure et cette arme. Armure portée par les chevaliers de Zamor. Acclamé en héros lors de la guerre contre les gens, on raconte que ces combattants la grande longévité, parés de vent mordant, sont les ennemis jurés des géants de feu depuis l'aube des temps. Donc, à partir d'ici, vous avez la cime des géants. Vous avez la pierre tombale des géants. Prenez, vous voyez, site de grâce ici. Et il va falloir se rendre jusqu'à là-bas, dans le tombeau qui est là. Il y a plusieurs autres items à récupérer. Je vais vous faire voir ça aussi. Je vais vous faire voir aussi la solution du tombeau, comment arriver au boss final. Ne vous inquiétez pas. Donc, on va se rendre jusqu'à là-bas. Regardez bien la route que je prends. Donc, je vous rappelle, on part à partir d'ici. La pierre tombale des géants. Regardez bien. Hop, vous voyez, oui, site de grâce. Donc, on s'y rend tout de suite. Sautez comme ça, vous évitez la main, vous sautez comme ça, et en fait le tombeau il est juste là. Peut-être que vous l'avez fait, ou peut-être que vous avez essayé de le faire, mais vous n'avez pas trouvé la solution. Donc je vais vous dire comment faire et comment récupérer en même temps cette armure. Vous l'ouvrez et hop, à partir d'ici il va falloir descendre et activer le site de grâce. Donc une fois ici, vous activez le site de grâce. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur la chaîne et aussi à rester connecté, à mettre la petite cloche et à vous abonner, parce que bientôt il va avoir le meilleur build selon moi saignement du jeu en ce moment, en tout cas méta. Donc là vous avez un objet à récupérer. Vous voyez là-bas là, il y a un petit objet à récupérer. Flamme, protège-moi, c'est un petit sort, hop. Au moins vous savez. Et à partir de là, regardez bien, il va falloir descendre. Et il y aura un mur invisible. Là il y a des ennemis, vous pouvez les éliminer, hop, mais là il y a un mur invisible, hop, vous frappez, vous voyez bien, et là il va falloir descendre, donc à partir de là vous sautez, comme ça, hop. En fait les ennemis, pour les éliminer, il faut les mettre dans le rayon de lumière, mais nous on s'en fout de ça, nous l'important c'est d'aller affronter le boss. Là vous avez du feu, donc vous faites attention, vous faites pas comme moi, hein. Juste là vous avez du feu, et juste à droite en fait il y a un ennemi. Donc il va falloir passer à droite, mais correctement, pas comme moi. Faut pas faire le con comme moi. Donc hop, on passe là à droite. Il y a un ennemi à défoncer. Ou le défoncer. Une fois l'ennemi défoncé, il va falloir taper, vous voyez sur la statue là, il va falloir taper dessus pour qu'elle remonte. Donc on y va. On tape dessus. Hop, là elle descend. Là on remonte, parce que sinon le fée nous aurait pas arrêté de nous faire chier. Donc là on est là. Et à partir d'ici, pour débloquer le prochain chemin que vous allez voir, vous allez avoir une petite technique. Je peux voir ça tout de suite. Là l'ennemi arrive, ce bouffon, il va rien faire du tout. Allez hop, bye bye, clairement bye bye. Donc juste ici, vous voyez, en fait, vous avez besoin, le rond de lumière ici, vous avez besoin de ça pour battre le géant qui sera en face. Vous allez comprendre. Avant d'activer le levier, vous activez l'ascenseur, vous revenez comme ça. Ça va activer une lumière qui sera juste là. Et il y aura un grand méchant géant noir sombre en mode Dark Sasuke qui est juste là. Regardez, hop, vous voyez, il est juste là. On dirait un personnage de Smash Bros masqué.
qu'on peut pas voir. Et là, vous passez entre ses jambes, hein, vous allez voir. Là, vous passez entre ses jambes, il va être très très colère. Une fois qu'il est très très colère, il va vous attaquer, le bouffon, là. Regardez ce bouffon. Oh là là, bouffon, bouffon, bouffon. Ta mère, elle mange des épinards. Une fois qu'il vous a insulté comme ça, hein. Pensez bien à dire l'insulte, c'est très important. Donc, une fois ici, hop, il va vous mettre un petit truc, c'est pas grave, hein. Vous le défoncez, hein. C'est les géants basiques, hein. C'est pas les géants spéciaux. Et là, il y aura comme si... Comme s'il s'est pris un rayon de lumière en mode lacrymo. Comme s'il s'est pris un rayon de lacrymo, mais non, en fait. C'est juste la grosse lumière là, qui a fait mal à ses petits yeux de géant. Une fois qu'il est battu, une lourde porte s'est ouverte quelque part, ils vous disent. Donc, la lourde porte, c'est juste en face, en fait. Il n'y a rien de compliqué. La lourde porte, c'est juste en face. Il y a d'autres objets à récupérer dans ces catacombes. Mais vraiment, je ne vais pas vous faire une vidéo de 20 minutes. Moi, le principal, c'est... où je vous fais le basique, le plus important pour moi. Le reste, fallait voir ailleurs. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une porte en face, hein. C'est la porte du boss. Et voilà, l'ancien héros de Zamor est mort. Une fois battu, vous avez gagné l'épée courbée de Zamor, le masque de Zamor, l'armure de Zamor, le bracelet de Zamor, et le guêtre de Thor, de Zamor. Une fois tout ça débloqué, bah vous avez débloqué l'armure, tout simplement. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, les amis, les frérots et les sœurettes. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Le petit abo qui fait plaisir, ça donne énormément de force. Et à mettre la petite cloche pour rater aucune de mes vidéos. Je sais que ça vous casse les couilles, mais c'est très important. Je vous dis à tout ça très bientôt sur la chaîne, c'était BDG. Il passe en 5G, toi-même tu connais. Abandonné en buvette dans la forêt, je leur fais du sale, 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 ça brûle.